Bonjour à tous, c'est Flytox. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo sur World of Warships Blitz. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour cette première vidéo de vous présenter le De Grasse, qui est un croiseur français premium de rang 6. Alors j'aurais pu commencer par des tiers beaucoup plus petits, mais honnêtement, le gameplay sur les tiers relativement bas sont quand même assez peu différenciés. Donc je vous propose tout de suite le tier 6 parce que vous avez actuellement sur le tier 6 deux bateaux disponibles, qui est le De Grasse et l'Arizona. Donc beaucoup vont se poser la question de savoir ce qu'il y a de plus intéressant à prendre entre un De Grasse ou un Arizona pour essayer de faire un petit peu de crédit. Mais bon, faut quand même avouer que pour le moment, le côté économique du jeu est en petit développement. Donc on va espérer que ce soit ça s'arrange un petit peu avec le temps parce que effectivement, c'est très dur de faire des crédits actuellement sur Warship. Donc je vais commencer par passer par le port d'une manière assez traditionnelle pour vous montrer un petit peu la bête et puis ses caractéristiques. Et ensuite, je vais vous proposer deux gameplays qui va vous montrer tout simplement son gameplay. Alors, ce n'est pas forcément des Kraken, des Kraken déchaînés, mais ce sont des parties que je juge intéressantes pour vous montrer les performances de l'engin. Et puis, on fera peut-être une petite synthèse avant de se quitter. Allez, on commence par le port. Alors nous voici avec le De Grasse que j'ai dans mon port. Donc je commence par faire un petit panoramique, c'est pas forcément ce que je ferai tout le temps. Mais là pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez remarquer une première chose, c'est que le De Grasse est un bateau qui est assez massif, donc il est long. Et surtout, si vous regardez par la coupe vers le haut, il est plutôt large. Donc ça, c'est une donnée importante parce que sachez qu'avec le De Grasse, vous êtes une cible, comme vous êtes long et large, plutôt facile à toucher. Donc attention à ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, si on regarde, il bénéficie de deux boosts, l'accélérateur de moteur et l'anti-air. Au niveau de l'accélérateur de moteur, qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement, vous allez bénéficier de 10% de votre vitesse maximale pendant 25 secondes et ça se recharge tous les 60 secondes. Et pour l'anti-air, vous allez pouvoir booster votre anti-air pendant 20 secondes et ça se recharge tous les 75 secondes. Et je peux dire que c'est très efficace puisque quand vous avez des avions qui vous passent au-dessus, vous leur mettez très cher. Au niveau des caracs, je vais passer sur l'historique du navire. On va juste regarder la taille, 200 mètres quasiment de longueur pour presque 22 mètres de largeur. Donc vous voyez, grosse cible, attention à ça. Au niveau de la survivabilité, pardon, vous avez 25 000 points de structure, une protection de la citadelle de 7,5, ce qui n'est pas top, une résistance au feu et aux incendies de 10%, honnêtement vous prenez assez facilement feu, la réduction des torpilles 7,20, là aussi vous faites très très mal, donc vous ne réduisez pas beaucoup les dégâts des torpilles, et c'est... Pour les dégâts, vous êtes aussi à 7,20, donc c'est pas super top. Au niveau de la maniabilité, très bonne vitesse de pointe. Alors c'est pas le meilleur, puisque les Russes font mieux, notamment, et là au bas aussi, je crois de mémoire, sur le japonais qui est pas mal. Mais par contre, sa rotation est dans la moyenne, donc ça fait un bateau plutôt rapide et qui tourne pas trop mal et qui bénéficie d'un boost. Donc là, par contre, vous devenez le plus rapide avec votre boost. Les canons, vous avez 3 tourettes triples de 152 mm qui se rechargent en 7,41 secondes pour 11,27 km de portée. Je vais pas trop parler de la dégât des AP. Alors vous avez une HE affichée à 400 et quelques, un peu plus de 400. Les AP sont aux alentours de 500 et quelques. Et évidemment, ça dépendra du blindage du bateau qui est en face, donc de la réduction de dégâts qu'il est capable de prendre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la capacité des HE à faire des dégâts, puisque vous avez 7% de probabilité d'incendie. C'est bien meilleur que les autres croiseurs de ce tiers. Il bénéficie aussi de deux tubes lance-torpilles triples, un de chaque côté, avec des torpilles qui vont jusqu'à 8,10 km et qui ont 3565 d'alpha, donc c'est plutôt sympathique à utiliser. L'anti-air, je ne suis pas encore expert, donc là je vais vous dire qu'il est correct, il fait le taf. Et en revanche, la détection, attention, c'est un gros bateau, bien long, bien large, donc forcément, il a un camouflage assez dégueulasse et vous serez relativement vite spoté. Et comme vous êtes fragile, faites attention à ça. Alors maintenant, je vous propose de passer au niveau des gameplays pour pouvoir voir comment on peut le jouer. Alors pour cette première bataille, nous sommes sur la carte Aurore, donc c'est Aurore Boréale en fait réellement, donc on est en bataille standard, donc vous avez plusieurs types de batailles, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur les différents types de batailles. Globalement pour faire simple, vous avez la bataille standard qui est un petit peu comme sur votre PC, c'est-à-dire que chacun a sa base, chacun doit défendre sa base ou prendre la base de l'autre, donc attention, ça nécessite d'aller attaquer mais aussi de défendre, et n'oubliez pas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui oublient de défendre et vous perdez des parties comme ça parce que vous faites. Vous avez aussi une sorte de suprématie, j'ai oublié le nom exactement, je crois que c'est domination,
avec 3 à 4 capes en fonction des cartes. Et puis vous avez un mode arène où vous n'avez qu'une seule grosse cape centrale. Voilà, alors on n'a pas eu le temps de faire le matchmaking, on va le faire rapidement parce que c'est un petit peu comme dans World of Tanks. Il est quand même assez intéressant de regarder le matchmaking, donc j'en profite pendant qu'on se positionne. Vous avez en fait des équipes relativement équilibrées au niveau des types de bateaux puisque vous avez un porte-avions de chaque côté. Vous avez ensuite 4 cuirassés de chaque côté. Dans mon équipe, nous sommes 2 croiseurs et dans l'équipe d'en face, il y a un croiseur et un destroyer. Donc les destroyers sont les petits torpilleurs, les croiseurs, on va dire que c'est plus ou moins les médiums comme nous, et ensuite vous avez évidemment les cuirassés qui sont l'équivalent des lourds, hein. Donc vous avez beaucoup de blindage, vous êtes très lent, par contre vous avez de très gros canons qui piquent très très fort et qui sont capables de mettre des citadelles à peu près tout ce qui passe, mais bon, on y reviendra dans d'autres vidéos. Alors là je me suis avancé. Hein, donc voilà, donc on a spoté les cuirassés. Alors je suis déjà spoté alors que mon cercle de détection m'indiquait que je ne pouvais pas l'être par les cuirassés, donc il y avait autre chose, donc immédiatement je me suis mis à tourner. J'ai balancé une première salve rapidement sur un des cuirassés, j'ai déjà déclenché un feu, et là tout de suite c'était bien le destroyer qui était dans le secteur et qui m'avait détecté, donc je vais me concentrer sur lui. Avec la première salve, je lui ai mis un incendie, et là il avait, pourquoi j'ai tourné tout de suite, vous voyez, il avait bien balancé ses torpilles, restait très très peu, enfin, essayer de pas trop naviguer longtemps dans le même azimut, parce que c'est la meilleure façon de se prendre des torpilles ou des gros jetons qui viennent des cuirassés. Donc on a terminé le destroyer, vous voyez que ça va très très vite, hein. Le De Grasse est un très très bon chasseur des destroyers, de toute façon il sait tout faire le De Grasse, puisqu'il a les canons pour. Vous voyez que je reste à distance, j'ai backé, j'aurais pu tourner de l'autre côté, mais je me serais mis dans la nasse. Là j'ai préféré backer vers le bord de la map, pour ensuite faire un demi-tour, tout simplement, et revenir derrière mes alliés. Alors devant on a un Kirov, hein, qui est un destroyer, qui est un croiseur russe tier 5. Lui par contre il est très très mal positionné puisqu'il y a un peu des caracs à la De Grasse, et vous voyez il s'est fait sortir violemment par le New York. Donc sur ce type de croiseur il faut vraiment éviter des positionnements qui sont trop dangereux, trop au contact, et avec le De Grasse c'est ce que vous allez devoir essayer de faire. Vous voyez que je reste à une distance relativement longue, donc là j'ai d'abord fini le bateau qui s'approchait de moi parce qu'il était quand même à une distance de moins de 4 km, donc là ça devenait un très très gros danger pour moi, et une fois que j'ai terminé ce bateau là, je repasse sur les cuirassés qui restent en fond de map. Là je joue avec ma portée, vous voyez que je suis une portée d'à peu près 8-9 km, c'est une portée très efficace pour le De Grasse. J'ai pris des coups par l'arrière, et là ça vient du Königsberg, c'est un croiseur allemand de rang 5, attention il est très efficace. Je vous ferai une petite vidéo sur le Königsberg parce que c'est vraiment un bateau que j'ai monté et que j'aime beaucoup. Celle de la branche allemande est très sympa. Je me remets face à lui parce que comme je suis gros et large, je suis long et large, je suis une cible très très facile pour le Königsberg qui est très précis en plus, et ses AP font extrêmement mal, il est capable de me citadelle même si c'est un tiers en dessous de moi. Donc je me concentre sur le Königsberg qui en plus essaie d'aller caper. C'est un choix un peu osé et je pense douteux d'aller caper en croiseur aussitôt dans la partie. Alors vous allez me dire aussitôt, les batailles sont très courtes, sont même un peu trop courtes, hein. Je pense qu'on en a tous déjà parlé, ça mériterait une minute voire deux de plus, parce que là il reste déjà plus que 2 minutes 20, donc je me retourne de nouveau, et là ben, on va tout simplement activer la machine à incendie, hein, parce que ce De Grasse, nous on l'a surnommé le pyrograsse, pardon, parce que ben, c'est vous mettez des incendies à tout va, et là regardez, le truc très sympa, j'ai mis deux incendies déjà au New Mexico, il avait déjà dû utiliser son kit, donc il ne peut pas réparer, et je vais continuer à le HE comme ça. Hop, ça s'est à peine éteint que j'en rallume un. Donc vous voyez, il a toujours là pour l'instant deux incendies sur la poire. Donc il a fini par comprendre que c'est moi qui étais en train de lui faire très très mal en lui mettant le feu tout le temps. Donc il a essayé une salve à la HE sur moi. La HE, pas forcément une mauvaise solution vu la distance. Et puis en plus, bah, comme j'ai pas énormément de blindage, c'est vite les surpeines. Et on continue de le mettre en feu. C'est vraiment un vrai massacre. C'est pour ça que nous, on s'amuse beaucoup, hein, dans le clan avec ce bateau. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le pyrograsse. Parce que vraiment, vous faites un nombre de feux incroyable. Là, il est à portée de torpilles, je balance mes torpilles, mais vu son nombre de PV et vu qu'il y a encore des incendies qui courent dessus et puis que je continue de tirer à la HE, les torpilles n'auront pas le temps d'arriver, même si elles sont assez efficaces. Donc on va, voilà, j'ai balancé la dernière bordée. Alors,
J'ai vu qu'il y avait des avions qui m'arrivaient dessus, toujours bien regarder la minimap avec cet avion, et comme ce sont des torpilleurs, je me mets de face. Pourquoi? Bah, tout simplement bah, pour présenter un profil le plus mince possible, et je prends quand même deux torpilles, hein, puisque je suis assez large. Je pense qu'avec un Allemand, j'aurais tourné un petit peu plus vite, et comme j'étais moins large, j'aurais réussi à en éviter un peu plus. J'ai balancé mon boost d'anti-air et j'abats un avion, alors qu'ils étaient relativement éloignés déjà. Et puis bah, on va pouvoir se concentrer sur l'Arizona. L'Arizona, donc c'est un cuirassé de rang 6 qui est premium également. L'Arizona est quand même très 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 costaud. Pas très précis, mais très costaud. Alors là, j'essaye toujours de m'angler, même si de toute façon l'Arizona il me transperce comme il veut. Mais au moins ça protège un peu ma citadelle et ça évite de prendre trop mal. Donc j'ai déjà mis un premier incendie. Je cherche pas hein, de toute façon. Vous voyez cette partie, je l'ai fait full HE. Je ne vais pas forcément toujours jouer full HE, mais là j'ai plutôt de la réussite au niveau des incendies, hein, puisqu'on est déjà à 11 incendies et on y va et on va essayer de le faire cramer encore un petit peu. Donc pour pouvoir faire cramer un bateau, surtout visez pas la coque, essayez de toucher les superstructures, c'est là que vous avez que vous cramez. Vous voyez, j'étais presque de face et pourtant il m'a mis une citadelle et on lui met un 12e incendie. Donc voilà, fin de la bataille, donc on n'arrivera pas à avoir l'Arizona ni le porte-avions, puisqu'on n'a pas eu le temps. Et puis de toute façon, je pense que si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais été un peu moins agressif sur la fin au niveau de l'Arizona, parce que là, je m'en foutais un peu de prendre les dégâts. On finit avec 66 000 dégâts et un seul kill, mais on met 12 incendies, soit 30 000 dégâts par incendie. C'est formidable au niveau de ce bateau, c'est vraiment le pyrograsse, vous foutez des feux à tout va. Et même si vous n'utilisez pas votre AP, vous voyez, j'ai utilisé aucune AP dans cette bataille, et pourtant j'ai fait extrêmement mal en termes de dégâts. Sur la deuxième bataille, nous sommes en mode domination, donc c'est l'équivalent du mode suprématie. J'ai pas retenu le nom de la map, ça viendra avec le temps, je vous rassure. Donc bah là, on va aller regarder tout de suite le MM. Donc nous avons deux cuirassés, nous avons quatre croiseurs et un destroyer. En face, ils ont un seul destroyer, deux croiseurs et quatre cuirassés. Donc vous voyez, on est sur un matchmaking très équilibré. Alors là, l'option, c'est que je vois l'équipe qui part plutôt sur la droite, donc sur A et B. Donc je ne vais pas aller chercher le point C, même si je suis rapide. Il y a de grands risques quand même, enfin, on ne sait pas trop comment ça va se déployer. Et si je tombe sur plusieurs bateaux alors que je suis en train de caper, alors déjà je vais me faire détecter probablement largement avant à destroyer, donc il va pouvoir, donc je serai en danger avant lui. Et ensuite, bah, même si je suis rapide et même si je manœuvre pas trop mal, je suis quand même une grosse cible. Et comme je ne suis pas blindé, je risque de me faire rect. Donc éviter ce genre de move avec le de grâce, il ne va pas le supporter. Alors, on arrive sur B, il y a déjà du monde. Je vois un petit Thomas qui se balade, alors je tente la salve comme ça de face, mais quand même assez compliqué. Alors j'en mets deux quand même, c'est pas si mal. Et là tout de suite on passe sur un ennemi qui peut être très très violent. Et je suis à la paix, hein. je me suis mis directement à la paix parce qu'il y avait un peu moins de blindage en face de moi que sur la partie précédente. Et je me concentre sur le Furutaka, donc c'est un destroyer japonais, parce que il a un excellent camo, il a des torpilles qui font très très mal. Et voyez là par contre je suis en train de le farmer, c'est vraiment un très bon contre DD. C'est pas le meilleur, mais il est vraiment très très efficace. Alors là je vais nouber un peu après, parce que effectivement je tourne pour essayer de mettre un max de canon pour finir la cible. Voilà, j'ai pas bien fait attention à une chose, donc je fais le premier kill de la game, ça je suis content. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la cape. Vous voyez que j'avais tourné vers la cape et je vais tout de suite me raviser parce que je prends un gros pruneau du fuseau. Et donc tout de suite je vais m'échapper. J'ai loadé la HE, je lui mets un premier feu. Et là donc bah j'avais pas vu. J'étais beaucoup trop près de ce bord de map. Donc j'ai un peu noobé. Ça c'est une situation, vous voyez, c'est le type d'erreur qui là va pas me coûter trop cher, mais dans une mais qui peut vous coûter extrêmement cher dans une partie, parce que le temps de manœuvrer pour vous sortir de là, moi je peux vous assurer qu'un 2 grâce à l'arrêt comme ça stocké, bah, ça devient ma priorité principale, parce que je sais que je passe absolument tout. Je suis toujours à la HE, je remets un deuxième incendie donc sur le fuseau, qui pour l'instant j'ai de la chance, il m'a pas trop tiré dessus. Je vais réduire le spread de mes torpilles parce qu'il est en avance, et j'ai pas l'impression qu'il aille très vite, donc je pense qu'il est en avance un demi, et puis de toute façon il ne peut pas s'échapper comme il veut puisqu'à l'île. Et on continue ensuite de lui tirer à la HE. On rallume un incendie, il y en a deux en cours. Là il y en a, le deuxième vient de s'éteindre. Et on va continuer tout simplement. Alors mes torpilles sont plutôt bien parties. L'avantage d'avoir des torpilles que vous faites partir de très loin, c'est que
Bah, simplement, l'ennemi ne s'attend pas forcément à ce que vous lui ayez balancé les torpilles. Du moins, il voit moins facilement la manœuvre qu'avec un destroyer qui va bien se mettre de flanc pendant quelques secondes pour balancer ses torpilles avant de manœuvrer. Donc là, c'était beaucoup moins évident. En plus, vous avez des arcs qui sont assez intéressants puisque vous pouvez les balancer relativement facilement devant et derrière. Et on continue, hein, vous voyez, HE, on met des incendies. Donc là, bah, je suis relativement proche, hein, je suis à moins de 4 km, ça peut faire très très mal, je sais que c'est un risque, mais il faut le prendre, parce que tout simplement le fuseau a recapé notre base, donc attention toujours à bien garder nos caps. Je me remets un petit peu de PV, au cas où je me prendrais une grosse salve. Alors j'étais pas mis de life, hein, mais valait mieux quand même tout de suite remettre un petit peu de PV, et on rebalance bah, toujours des incendies, et on renvoie à nouveau des torpilles, bah, tout simplement, qui n'ont pas le temps d'arriver. Alors, je repasse par la cape, là, bah, j'ai un Oma sur mon côté, l'Oma, faut faire attention, parce que ça a des bons canons, et donc je vais toujours zigzaguer, j'essaie toujours de zigzaguer un maximum, bah, pour pouvoir gêner la visée de mes adversaires. Donc vous voyez, c'est relativement efficace parce que là c'est passé au-dessus, avant c'était passé à côté. Donc là je vais tenter la petite salve, mais bon, pas évident sur ces angles-là. J'en mets quand même une. J'ai capé la base, donc tout de suite je vais pas rester au centre et je vais me redécaler très légèrement par rapport aux bases, bah, tout simplement pour pas être. Bah, pour pas être trop vite focus, donc on va continuer sur ce petit Thomas. Et là, regardez bien la minimap, vous avez quand même pas mal de monde qui sont sur la cape C, notamment vous avez les cuirassés, donc on va aller commencer à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que les cuirassés, il faut faire assez gaffe, les izibuki, etc., ça peut vous mettre très très cher. Donc pour l'instant, je suis à une distance où c'est pas forcément évident pour eux qui ont une dispersion pas très bonne de me toucher. Là, il reste plus qu'une minute 20. Je vais tenter mes torpilles. Je me dis, on sait jamais sur un malentendu. Et je continue bah, à la HE parce que de toute façon, je sais que c'est ce qu'il y a de plus efficace sur les bébés. Donc, enfin, sur, excusez-moi, sur les cuirassés. Reprenez-moi si vous comprenez pas les termes bébé, dédé, etc. Je vous expliquerai. Et donc là, voilà, je me suis rapproché un petit peu trop et vous voyez que je commence à prendre assez cher. Donc j'ai quand même réussi à mettre une torpe, hein, donc c'est passé. Et on va remettre encore un incendie. Étant donné qu'il a déjà réparé, bah voilà, il va cramer. Donc ça, c'est toute la magie donc, du de grâce. Donc on continue à l'allumer. Et par contre, là, vous voyez, j'ai pas bien regardé ma minimap. Et vous allez voir que je me suis mis dans une situation qui est assez délicate. C'est que j'ai bien donc le cuirassé sur lequel je suis en train de tirer sur la droite. Mais regardez bien sur ma gauche. Coucou! On a un petit New York qui traîne. Donc je vais balancer mes torpes. Tout de suite, j'utilise mon deuxième set. Et je vais essayer de. Bah, je me retrouve entre deux feux. Et là, ça, c'est une situation que le De Grasse ne va pas du tout aimer. Alors je vais repasser sur celui-là. Je vais essayer de pas rester, de rester un minimum de flanc. J'ai eu de la chance, ma torpille est passée, j'ai mis un flooding. Donc là, ça va être quand même embêtant pour lui. Ça fait beaucoup plus de dégâts encore que les incendies. Et bah, je vais allumer. Mais bon, il reste que 10 secondes. Donc je ne vais pas m'amuser à chercher à survivre là-dessus. J'essaye de passer un max de dégâts. Et donc je vais mourir à la dernière seconde. Alors, sur cette partie, on a passé des torpes. On a mis un peu moins d'incendie que sur la précédente. On a joué aussi un petit peu avec de la paix. Donc vous avez vu l'efficacité de la paix. Donc je trouvais cette partie assez intéressante. Et vous allez voir que tout ça additionné, ça fait un score assez sympathique de 88 640 dégâts pour 2 kills. Là, il y avait un petit peu plus de bottes dans cette partie. Donc il y a encore pas mal de bottes au tier 6. Donc ça, je ne choisis pas. Et regardez la précision des canons. Je vous parlais des canons qui étaient sympas. 208 touches. C'est quand même vraiment pas mal. Entre son reload et sa précision qui est assez correcte, qui est même plutôt plus que correcte à distance, vous faites très 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 mal. Voilà pour ces petits gameplays. Alors cette fois-ci, bah, d'une manière peu conventionnelle sur ma chaîne, je vais vous proposer de faire une petite conclusion, en fait, une petite synthèse sur le bateau. Si on se résume ses forces et ses excellents canons qui sont assez précis, la HE qui est vraiment ultra efficace, hein, c'est vraiment vous foutez des feux à tort et à travers, c'est génial. Il n'est pas rare de mettre deux incendies en une seule bordée. Une bonne vitesse, et notamment grâce à son boost qui lui permet d'être quasiment le croiseur le plus rapide du tier 6. Une rotation qui est très correcte, qui est dans la moyenne, donc qui lui permet d'être efficace. Un anti-air efficace aussi et qui bénéficie d'un boost. Donc là, n'hésitez pas à l'activer, votre boost, hein, parce que vous allez pouvoir aider notamment vos petits copains qui en ont besoin. Et la portée des torpilles à 8,1 km, là, c'est les torpilles qui portent le plus loin pour les croiseurs de tier 6. Ses faiblesses, c'est une cible facile. Sa taille est importante, hein, donc forcément, bah, vous êtes facilement touchable. Le camouflage est vraiment très faible, donc vous êtes détecté de très loin, c'est encore lié à sa taille. L'absence totale de blindage, attention, vous êtes vraiment très fragile et donc forcément,
moment, votre citadelle est également mal protégée et donc vous pouvez prendre très très cher. J'ai déjà mis une triple citadelle à 1 de grâce de flanc avec mon New Mexico. Je peux vous assurer que le mec est reparti en boitant. Donc en conclusion, c'est un croiseur qui est très polyvalent puisque il est capable de tout affronter, hein. Il n'y a pas de némésis. C'est-à-dire qu'il est aussi bon face aux destroyers qu'aux croiseurs, qu'aux porte-avions et aux QRC. Par contre, il supporte très très mal les erreurs. Vous l'avez vu, les petites erreurs. Alors, la première m'a pas prêté conséquence dans un précédent gameplay, mais la seconde, par contre, elle a fait beaucoup 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 plus mal. Et même si il restait peu de temps, donc c'était pas grave. Et enfin, le côté fun du bateau, hein, c'est pour ça qu'on l'a nommé nous le pyrograde, c'est parce que vous mettez des feux à tort et à travers. Et ça, c'est vraiment le côté fun du navire. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère donc que cette première vidéo sur le De Grasse vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez davantage de détails, s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Tout simplement, c'est une première pour moi sur Warship, donc ça nécessite peut-être d'adapter un petit peu le format par rapport à Blitz. Donc j'essaie de vous faire quelque chose dont vous avez l'habitude, et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.